abre. Même entièrement,
Mes amis, la paix avec nous. N'a pas de monde qui concerne, monde qui sous programme, nous sommes capables de graver, cher non. Monde qui sous programme, nous sommes capables de graver, cher non. Monde qui sous programme, nous sommes capables de graver, cher. Leader qui concerne dans le programme ça, yo capable de graver cher l'an. Dans le même programme, il y a tout, yo capable de faire le programme arriver sous cher l'an. Oh,
Thank you.
Oh, Baba. Oh,
Thank you.
Pour la famille, Chita,
ou même de la famille par ce dernier. Bien dans chaque bout. Devant cette famille endeuillée. Mes amis, mon qui concerne le programme, vous êtes capable de graver chez eux et puis quitter, dit nous ça déjà, la toute façon pour nous capables de bailler la famille, famille mora place devant dans chaque boyau pour la famille. La famille Osme, Salomon, tout ça, c'est familles de 8, 15, 5, chez lui, toutes ces familles. Tout pasteur qui concerne l'enseignement, gravé, cher, pour nous, s'il vous plaît. Et puis, nous qui démarrons, tout si nous t'achetons un bon, qui tape belle en pile, nous démarrons. Les nous chitagayons à la bon. Ça
Mes amis, nous avons des leaders qui, sous programme, sont capables de graver Chéa pour nous, s'il vous plaît. Est-ce que tout leader n'est pas là? Tout leader qui concerne dans ces réunions, il est capable de graver Chéa. Pasteur Emmanuel Ga, Pasteur E. Walker et Pasteur Maurice Joassin et puis Pasteur Jean-François La Porte et Pierre Diacamon et puis maître cérémonien Gravé Chéa. Thank you.
Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis dans cette enceinte pour rendre dernier hommage à la mémoire de M. Sonny Rosemé qui vient de partir pour l'éternité à l'âge de 63 ans, le 18 juillet écoulé. Nous sommes là surtout pour entourer sa famille de notre affection et de notre sympathie. Mais pour partager avec tous l'espérance du salut par la foi en Jésus-Christ. À mon nom personnel et celui de toute l'Église, je veux présenter mes sincères condoléances aux parents et proches. Que Dieu vous bénisse tous. Notre espérance est en Dieu et l'espérance est l'espérance de la gloire et de la félicité. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'espérons pas seulement dans la vie d'ici-bas. C'est ainsi comme dit l'apôtre Paul, ce sera vain l'espérance. Et nous nous rappelons ainsi, nous sommes poussière et nous retournons en poussière. Et millions d'autres disent que nous rendons un dernier hommage à la mémoire de notre frère. Sur ce, l'Assemblée après de se mettre debout pour entonner ensemble avec nous. Numéro 281. Alors 251 plutôt, ça c'est tout dans le programme qui est en votre main. Mettez-vous ensemble avec moi pour chanter ensemble. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Je ne sais pas le jour. Je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière reviendra, les ombres dans cette terre. Ce sera la gloire pour moi. Tu sera la gloire, les ombres. Tu seras la gloire. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents. Des hymnes angéliques, mais je sais que joie ma voix au Seigneur. Et je j'adorerai moi. Bientôt j'adorerai moi. Bientôt j'adorerai. Les parlais éternels, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Et regarde, Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre les vos
notre Dieu, notre Créateur, a vraiment supporté le moment ça avec courage. Parce qu'on dit, Seigneur, il est heureux pour le monde qui met espoir dans vous, parce que nous gagnons espérance, parce qu'on est le jour que va. C'est tout simplement une transformation de vie. Nous demandons, Seigneur, de nous réunir ce matin, Seigneur. Et de l'encourager avant de t'en prier. Faire sentir force, réconfortation qui va palpiter au milieu des paroissiens. C'est ainsi que nous t'en prions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul sans la gloire, la puissance aussi de l'Esprit. Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. De l'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car mille ans sont à tes yeux. Comme le jour d'hier, quand il passe, et comme une veille de la nuit, tu les reprends, tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil. Que le matin passe comme lèvre. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous détaillons par le fer de ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et la lumière et la face que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme murmures. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux à 80 ans, les agitations n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon ta crainte qui t'est due. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Reviens l'Éternel jusqu'à quand? Et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance. Et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant que le jour que nous a humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur le Fils. Que ta tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Nous chantons ensemble encore le numéro 280. Si elles sont françaises, je l'espérance. Sacre de Pécaro. Quel repos céleste, Jésus, de ta droite.
Mais les grandes douleurs ne savent que se taire. Mais, dans la même douleur, ça. Même si douleur a dit un pire pour moi, je ne peux pas faire silence pour ne pas parler pour dire qui est ce papa mien. Soleusement. C'était la localité d'Andrien, section communale pour Tarakène, dans notre commune Lagonave. Le vendredi 21 octobre dans l'année 1960, Madame Mersinia Salomon et Monsieur Mistérol Rosemé, qui déjà parti pour l'éternité, et bien la vie à groupe autorité son ça. Sonny Rosemé est quatrième petite dans mon papa et puis deuxième petite dans mon maman. En tout, il y a 9 frères accès. Parmi eux, il y a 4 filles qui sont Julienne qui déjà allée quitter nous, Raymond qui déjà traversé tout, et puis nous avons Alice et puis Mardi. Il y a 5 frères. Nous, c'est les noms, Mr. Wall, Miss Dedel, Vogel, David. Il était passé puisque on va vingtaine d'années dans son Nathalie. Je suis arrivé dans l'année 1984. Il a quitté pour entrer pour la presse. Quand il était appris mécanique. Sénateur, il était commencé ministère. Dans l'année 2002, il quittait Port-au-Prince pour entrer à Léogane. C'est là qu'il va passer tout le temps. Sonny a gagné 13 petites. Non, c'est Nicolas, Peterson, Nasta, Debox, Delinson, Alex, Pauline, Elikowski, Soana, Malaika, Adassa, Kinsey, et puis Tabitha, c'est moi qui parle avec moi. Il gagne 14 petites petites. Là, c'est Watson, Yama, Marlene, Marlene, James Lay, Maria, Shimshai, Sephora, Oliver, Rickenley, Jocelanda, Alexandra, Ben Debox, Cheneka. Tout le monde te connaît sous nom Pasteur Sonny. Il était dirigé à l'église dans la zone d'Abonne, qui est les jeunes délivrances par la foi. Après, bon Dieu, il était fait un pile miracle. Il sauvait un pile de vie. Parfois, on s'est aussi dans la zone d'Abonne. Après, on parlait de lui. Mais tout le monde connaît. Sonny Rosemé, c'était un homme qui fait le travail. Et puis, qui remet sa famille à Pitiki. Ou bien si, Sonny Rosemé, c'était un homme qui remet tout le monde. Même si c'est la première fois que je passe, j'ai toujours eu un blague pour parler. Parce que, pas qu'à chaque côté, on peut parler. Il t'a remis et de mon appui. Et pour Dieu, ça y est, tout en fait, c'est tout pour moi. Sonny, c'est rien fait. Un papa, un cousin, une famille, un ami. Thank you.
Joseph Cécile, attention qui t'a raconté. Après quelques traitements, il s'est commencé à prendre, il s'est venu arriver à l'église. Il s'est repris toute activité. Même si il veut confier une bonne aide, mais il était toujours aimé engagement jeune qu'il était gagné chaque vendredi. Eh bien, nous avons quitté jeudi 18 juillet 2024. Quand elle s'est levée pour sortir, elle vient sortir en malaise. Elle n'a pas du tout, non choix. Il était au fond des moissons qui t'a pris ma belle. Elle est allée pour dire papa, maman, comme je suis pour mener à l'hôpital. Et puis, moi, elle est en train de se vider au son de rosé. Moi, je dis ça. Et puis, nous pouvons retourner à chercher pour mener à l'hôpital. Dans ce groupe-là, ma petite m'a fait moins espérer que je vivais encore. Et puis, pendant la montée comme ça, nous voyons machine qui a toute vitesse. Et nous regardons, nous voyons ce papa qui couchait dans la machine. Et puis, nous suivons machine pour entrer dans l'hôpital Caméjo. Malgré nous arrivons dans l'hôpital là, malheureusement, il n'y a pas de Dieu. Le temps n'a fait aucune intervention. C'est comme ça qu'il est arrivé que nous avons une tristesse, à qui on peut lancer, à qui on donne que nous-mêmes ne pouvons pas expliquer. Papa, je tiens à dire que tu es brisé, mais tu as fait pour nous donner un dernier hommage. Ou aller sortir un mot, ou quitter mon chagrin, ou aller à ton moitié d'amour. Qui allait, qui dépensait nous, qui
divorcé nous. Donc, dans notre vie qu'on est là, pour y avoir des consolations familiales par Boris Joassin. La pandémie avec l'Assemblée a nous baissé tête pour la prière. L'éternel bail, l'éternel plan, que le nom de l'éternel soit béni. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous connaissons dans la colère, mais aux riches en bonté, en fidélité. Nous disons merci, maintenant, Seigneur, pour grâce, pour compassion envers nous. Dans le moment, Seigneur, nous connaissons sans trompette. Pasteur Sonny, homme de Dieu, qui sonnait pour lui, y aller. Mais Seigneur, de quitter nous et nos douleurs. Et dans le moment ça, dans le monde, réclamer dans la mer tout-puissant, consolation, pour les amis, pour les petits, pour les familles, pour les collègues, tous les amis. Grand ou petit, riche ou pauvre. Nous connaissons tous les dix, c'est vrai. Souffrance n'arrête. Que nous, chaque fois, nous couchons, nous connaissons ça. Nous n'avons pas dormi. Nous avons pensé avec ces vidéos-là. Nous n'avons pas dormi, nous n'avons pas calculé, nous n'avons pas réfléchi, nous n'avons pas pensé à elle. L'eau n'a pas séché. Tout le monde qui a mangé nous dans le ventre n'est pas capable de suspendre. Mais maintenant, Seigneur, nous demandons trois fois saint, consoler les familles. L'eau qui a les yeux, nous demandons au papa pour sécher l'eau pour eux. Nous connaissons les difficiles. Ce n'est pas aussi facile pour de l'eau sécher comme ça. Pour quoi qu'il m'arrive, pour le laver comme ça. Mais Seigneur, nous connaissons. On va faire au feu à mes pour eux. Nous connaissons pas oublier le vrai par rapport avec le monde spirituellement, socialement, économiquement. Que le monde qui a crié, Seigneur, qui compte ça le petit. Nous connaissons ça. Demandez au papa, s'il vous plaît, consolez les familles, la famille de Rosier, consolez-vous, consolez les frères, consolez les sœurs. Mais c'est pour vous connaître, je ne vais pas arriver, y aller. Mais nous-mêmes, je ne vais pas aller derrière. Nous ne pouvons pas connaître si c'est aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître si c'est demain. Frère Sonny, allez. Mais nous-mêmes qui sommes vivants, on nous prépare, nous ne bougeons pas nos mains. Parce que nous ne connaissons pas ni qui joue ni qui lève. Ça va arriver. Papa, mais nous n'en mêmes. Zami loin, zami près. Nous allons consoler. Consoler. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps. À pour tout le temps. Amen. Je me rappelle que nous avons fait une célébration que nous. Une célébration de la vie, c'est par la mort de Frère Sonny, de Pasteur Sonny. On a peuplé. C'est normal qu'on dirait puisque Moïse a fait un mois crier derrière lui. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons dit l'espérance, nous n'avons pas crié comme les païens, comme on dit la espérance crier. Elle a crié parce que l'on connaît Sonny Allais. Elle a vraiment. Donc, nous pas besoin de mettre nous comme si nous avons une espérance. Nous avons une célébration. Nous avons une célébration. Donc, c'est moi qu'on a même adoré par le bon Dieu de gloire pour y dépenser. Donc, nous avons même dit ça. Nous avons entendu un trio, un chant spécial, Esther. D'Aurélien,
Amiral Chéri et puis Jacques-Nan Pierre. Passez-chez mes solitaires voyages, où courez-vous vers une nouvelle terre que je prépare pour nous. Maladie.
Thank you.
avec nous? Amen. Alors, faut-il camper pour la lecture de la parole de Dieu qui suivit, qui va suivre l'éducation de la parole de Dieu ce matin. On faut-il camper pour nous, s'il vous plaît? En regardant l'attitude chrétienne pendant que nous avons la cérémonie funéraire du pasteur Sonny Rosemet. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. S'il vous plaît, je vous dis silence. Frères et sœurs, je voulons vous dire, faire connaître la vérité au sujet des morts. Et si vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont pas aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort, il est relevé de la mort. Donc, la même façon, ceux qui ont, qui sont morts avec Jésus-Christ, en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus-Christ. Oui, voici ce que nous disons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra. Nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On attendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette des dieux. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant en Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons portés ensemble avec ceux dans les nuages, en montrant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Veuillez vous asseoir. D'abord, bonjour avec nous encore. Nous comptons pour nous ensemble, matin, pour nous célébrer ensemble la vie du pasteur, de l'homme de Dieu qui vient de partir, quitter nous pour l'éternité. C'est toujours une douleur, une tristesse, quand que nous, ensemble, nous voyons la mort, nous vivons la mort, mais nous pas qu'à habituer avec la mort. Je dis en Haïti, la mort pas fait aucune monde surprise encore en Haïti. La mort pas fait monde surprise. Je prends la vie, je banalise la vie de tout le monde. Je dis à l'homme de mourir, est-ce que vous avez crié pour lui encore? Parce que la mort n'est pas gagné sans que tu aies gagné encore. Mais nous-mêmes qui chrétiens, nous toujours baillons la mort sa valeur. Toujours par la mort, c'est un changement d'étape à une autre étape, à une autre vie. Et ça fait maintenant, une question que je me poser en guise de message clair, une réflexion que je dois faire, question dans cet état, comment mourir? Comment le monde doit mourir? Donc, au cas dit, c'est la question ça me dit absurde. Comment on doit mourir? Il faut que c'est mieux aujourd'hui, malgré la mort comme ça. Malgré les hommes prennent la mort pour rien. Mais pas de monde qui est dans le même monde. Tout le monde peut la mort. Tout le monde ne peut pas mourir parce que qu'il connaît vivre son mari, son cadre de bon Dieu. Et ce seul monde qui mourit, c'est Moïse. Dans Deutéronome chapitre 34, verset 1 à 7, bon Dieu menait Moïse son tête montagne, il dit Moïse là, pas le tout. Il menait Moïse sur montagne, il dit Moïse, gardez côté, il dit tout, m'a mené en là, bon, c'est la seule chose qu'on ne peut pas rentrer, mais on mettrait là, moi tout là. Et personne ne connaît côté Moïse enterré, personne ne connaît côté tout Moïse jusqu'à présent. Aucune école pensée, aucun théologien. Aucun scientiste pas qu'à connaître du côté Moïse, côté tombeau Moïse. Seulement dans Jude, il dit
monté un cadavre Moïse, Satan te veut réclamer le cadavre là. Seul ça au cas qu'on a hérité de la mort de Moïse, mais c'est bon Dieu même qui fait enterrement Moïse. Jusqu'à présent, je dis à la mort était un mythe, un mythe. Chaque monde qui voit la mort en face, les demander quand on veut. Aux États-Unis, il y a 12 milliardaires qui dit au talent même congélé Koyo. Donc, il y a un monde qui est vraiment intéressé avec ça, son science qui est le cryonisme. Cryonisme est dans son science qui dit, le monde n'a mouru qu'a fait des années, la glace sans qu'elle ne pas gâter. 12 milliards de saillots d'accord, ils ont dit qu'ils pourraient faire congélation après la mort. Ils ont pris la science médicale, donc même ils n'ont pas mon argent encore. Ils ont mis l'argent à la banque, ils ont un compte de renaissance. Ils ont mouru après 10 ans, 20 ans, 100 ans, 40 ans, 1000 ans. Donc, il y a un cas qui cause qui touille. Ils ont géré l'argent pour mentir. Donc, son science qui est cryonique. Le monde qui a besoin de faire recherche là, qui a monté sous lui, et sur le web là, chercher cryonique, d'après samedi ou non. Mais, qu'est-ce que nous nous-mêmes, pour les chrétiens, nous n'avons pas peur de la mort. Comment on a peur de la mort comme chrétien? Nous n'avons pas peur de la mort, pas oui? Moi qui n'ai pas peur de la mort, dit Amen. Nous n'avons pas peur de la mort. Pourquoi la mort vient de nous? Moi qui n'ai pas peur de la mort. Tout le monde peur de la mort. Même, il dit, gagner. Bon volé quand vous dans ce cueil dans le cimetière. Pendant la volée ce cueil dans le cimetière là, et puis la police t'a veillé le cimetière là. La police croise un volé à vol dans ce cueil. La police voit qu'ils amènent, dit sois fait là. Et puis volé à tous nos zombies. Il dit, quand vous êtes en bas en l'aise, je vais prendre comme moi de l'autre côté. Et puis la police a tout couru. Alors, même chef appelle la mort. Zam nan men, il a tiré Zombia. Zombia a dit non, quand il m'a dit en chaud, m'a changé de position. Donc, en réalité, pas de monde qui m'a appelé la mort. Même monsieur qui a tué mon Jacques Rio, il a appelé la mort. C'est l'okembe yo boue, l'okembe yo baouti tapoué, comment il a brûlé. Pas de monde qui. Appel la mort. Question maintenant, comment mourir? Donc appel la mort, c'est vrai. Il explique une anecdote encore, c'est la mort qui gagne, qui baptise petit yon monde. C'est combien la mort? Et puis la mort vient dans le quartier, elle dit mon cher, besoin de faire recensement dans le quartier, ça m'a pris tout dans le quartier, elle n'a pas pris tout le monde dans le quartier pour mourir. Pour qu'elle dit même maintenant, on ne peut pas tuer tout, dit oui. Bon. C'est la mort mienne, nous sommes très sérieux. Tu fais sens. Regardez combien de gens dans la carte pour moi. Mettez-nous en liste pour moi pour te voir. Tu es une reine baguette. Bon, c'est la mort, c'est mon compère qui voyait monsieur. Et puis monsieur Ali, l'arrivé, il fait une liste, fait une semaine à marcher. Tout le monde dans la carte avec, et puis côté de la mort, dit mon compère, mais liste. Même si comme intelligent, il prend nos limites en dernier. Ça veut dire, les gens ont commencé en l'air. Là, pour petit temps, pour mourir, parce qu'il y a un peu de monde. Mon copain vient garder les statins, là, on a dit, d'abord, dit, bon, la caille parle, nous commençons en haut des poissons. Nous commençons en bas, monter. Quel que soit le couteau caché dans moi, prendre. Parce que le couteau, parce que quelqu'un a son café, pour la mort. À passer en jeu en porte. Quand c'est mieux que tu me réponds une question, quand il y a beaucoup, tu as commencé à répondre une question. Hein? Comment mourir? Pour me répondre à cette question, hein? Comment mourir? Mourir en paix. Pour effacer pour moi, il faut mourir en paix. Mourir dans la paix.
quand le Seigneur a commandé qu'il a fait mourir la paix. Mais pour mourir de la paix, il faut mourir dans le bras du Seigneur. Vous avez bonjour avec nous? Amen. Pas de dire amen. Amen. Pas besoin de peur, pas besoin de peur. Nous ne c'est pas long, nous parlons, nous pas gâcher de tristesse là. C'est vrai, nous avons prié pour Sony, mais c'est un soldat devant c'est nous. Il faut nous célébrer la vie qui est dans la vie. J'aimerais parler là de Sony, pas qu'on est de vivant. J'aimerais parler pour les là, c'était un pasteur qui fait jeûne chaque vendredi. Puis il dit qu'on fait un peu de guérison le vendredi dans le jeûne, ça veut dire son monde qui était utile, son soldat qui allait. Mais la seule chose, il est mort dans le bois. Et de mourir dans le bras de Jésus. C'est la seule façon pour mourir en paix, c'est mourir dans le bras de Jésus. Quelque chose t'a fait pour mourir en paix, si vous ne mourrez pas dans le bras du Seigneur, vous ne mourrez pas en paix. On a typifié devant moi, Deutéronome 34 ans, Moïse mourit en paix. Parce qu'il mourit dans le bras du Seigneur. Il s'est raconté à Moïse dans le bras de Nantes, dit Moïse, gardez en bas, gardez. Gardez bien pour elle, c'est l'âme de Dieu m'a passé à vous. C'est l'âme d'apmener. Vous pas arriver. Mais m'a tout yonné. Et Moïse, bon Dieu, tout Moïse en l'air. Et Moïse enterré. Pas que nous côté de Moïse enterré. Il mourit en paix. Il mourit dans les bras du Seigneur. Mourit en paix. Deuxième façon pour mourir. De comment mourir? C'est ma bonne question brièvement. Deuxième façon pour mourir. Il faut mourir dans le service. Mourir dans le service du Seigneur. M'assurer, monsieur, de mourir dans le service du Seigneur. Il va ça? Amen. De mourir dans le service du Seigneur. D'après ça, m'attendait là, ça m'a vrai là que de mourir dans le travail du Seigneur. Est-ce que matin, vous allez mourir en paix dans le bras Jésus ou vous allez mourir dans le travail Jésus? C'est deux façons ça. Pour ta mourir, faut pas payer ouais, pour ta mourir. En dehors de Jésus. Faut pas ta faire erreur pour mourir sans pas faire travail, mon Dieu. Donc, qui est-ce que nous avons? Travail à part, la durée du service n'est pas importante. C'est-à-dire, la durée du service n'est pas importante. Mais c'est la qualité de service qui est importante. Nous avons besoin de vous, l'église là. Mais bonjour à vous, l'église. La durée, nombre de temps de service, ça va pas trop important. Mais ça qui est important, c'est la qualité de service qui est important. Combien de temps n'a dit, combien de temps prophète qui te réveille les Jean-Baptiste a passé à servir? Dans le même temps, il fait 6 mois dans le service. 6 mois. Date la criée, qui est au monde qui a venu, qui a crié dans le désert là. La venue de Jésus-Christ, il fait 6 mois. Mais travail Jean-Baptiste, pas de travail qui est plus cher, qui était payé en porte à celle. Parce qu'il a annoncé la venue de Jésus. Et la Bible a dit dans tout le monde qui sont en vente, pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. C'est ça? C'est ça l'église? Donc, première question, hein? Réponse à c'est Moïse. On a répété avec Moïse, non? Deuxième nom, comment mourir? Mourir de travail, bon Dieu. Troisième nom, c'est mourir de la soumission. Mourir dans les bras de Dieu, dans le travail de Dieu, mourir de la soumission. Comme nos bagages. On a besoin de monter l'estomac ou même grosse. On a besoin de monter le corps, même bagage là, 4 feuilles blanches. Combien de feuilles blanches qu'il y a? 4 feuilles blanches. On a besoin de sonner qu'on dit, l'église à ça. Donc, on n'a pas besoin de faire gros autobri, parler en pile, j'en parlais en pile là. 4 feuilles blanches. Même si 12 milliards yo a serré l'argent, là, on compte la renaissance, là, on mourit, là, on vit, même si tu as la vie en Dieu, même si tu es en lumière, même si tu es inconditionné la dalle, on fait gagne. C'est comme dire, moi-même, pas besoin de faire ni enterrement, ni cercueil, là, je n'en trouve pas comme ça. Pas fait trop de dépenses pour moi, regardez mourir. Moi, je ne sais pas si je ça va trop intéressé. C'est pas besoin de mourir dans les bras, dis-je. Pas besoin de rien encore. Pas besoin de faire comme
fanfare, limousine, l'obéi, dépenser de l'argent. Non, qu'on est mouru à terre là. Eh bien, vous avez avec vous? Pas besoin de monter notre estomac pour qu'on est capable de mourir dans la soumission. Et enfin, comment on a droit de mourir encore? La mort, c'est la mort qui est pédagogique. Ok, il faut respecter la pédagogie de la mort. Il y a la chronologie de la mort et ça la pédagogie de la mort. Donc il faut respecter la pédagogie de la mort, il faut respecter la chronologie de la mort. Qu'est-ce que nous la mort, c'est une réservation. Comment on a fait réservation pour la mort? Personne. La mort, c'est une réservation. Parce que la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Parce que la mort, c'est une réservation. Est-ce qu'on fait réservation matin pour la mort? Ça va dire le matin, bien bordé, ou bien là, ou bien. Est-ce qu'on fait réservation pour la mort? Et ça fait, avant même, on fait toute bagarre qui gagne dans le monde. Non. J'ai fait, make sure que vous faites réservation. Donc, il y a des gens qui participent de la pédagogie. Il y a des gens qui font la vie, les virer le tunnel, jusqu'à tourner en haut avec. Après ça, le monde nous dit, tout n'est pas fini après la mort de ma sœur. Tout n'est pas fini. Après la mort, le monde qui va nous rendre compte de la vie qui est pour gérer sur terre. Donc, les facteurs vont nous dire, pourquoi vous pensez que c'est pour la mort? Pas bien sérieux, pas bien sérieux pour lui. Qu'on est qui fait un gratte-ciel 180 étages. Un gratte-ciel bleu qui. On va où il fait 180 étages. Mais il y a un petit coin. Il faut un petit coin. Et puis là, il est tout à fait net. Il dit la mort, oui. Connais-moi, on va ramener le mot là. Connais-moi, c'est là, on va garder le mot là. Et bien, bon matin, pour ta frappe. Il dit qui est là? Il dit la mort. Je connais bien mes jours la mort au contraire. Moi, je me suis en pile parce que je n'ai pas fait effort. Moi, je suis en pile, je me connais bien. Pas bon coton paillé pour ne pas mourir. Mais est-ce qu'on fait réservation pour la mort? Moi, je me suis en pile la mort. Appelle la mort en pile. Je ne vais pas mourir, je me fais la mort. Je suis venu sur les États-Unis vendredi dernier. Je me l'ai traversé. Puis tu gagnes un tube ensemble là, tout le monde a brûlé Jésus, mais là, moi, je suis fermé parce que je ne vais pas ouvrir. Je ne vais pas mourir. Mais voilà, tout le monde, parle-nous d'abord, même parle-nous ça même. Mais moi, je vais mourir. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je garde la foi désormais. La couronne de justice, mais réservée à moi. Maintenant, je vais vous le texte là, en fait les comptes, le texte là dit Moïse mourit à 120 ans. Mais Moïse mourit avec lucidité. Il mourit avec bon parole, avec ta vie. Il dit, dans les mains, on mourit en santé. D'abord, on dit avec vous l'église. Amen. Même le dimanche matin, là, il faut dire amen. Dis amen. Amen. Donc, l'église mourit, alors Moïse mourit en bonne santé. Ma de bonne santé, il m'a une bonne santé physique, mais ma terme d'amour, est-ce que vous voulez moi une bonne santé spirituelle, ma terme? Et que chaque monde qui est là, vous avez une bonne santé spirituelle. Moi, une bonne santé spirituelle, je veux dire, mourir en communion avec mon Dieu. Mourir en relation avec mon Dieu. Mourir en compagnie de Dieu. Ça, c'est le mourir. En bonne santé spirituelle. Mathieu, frère Sergio, la question a été posée, comment mourir? Une question peut-être absurde. Comment a demandé comment mourir? Mais Mathieu, m'apprenons ça. Déjà avec moi, mourir dans le bras du Seigneur. C'est la bonne mort. Maintenant, ou même qu'il a beaucoup d'expérience. Vous comprenez comment mourir? Donc, vous mourir
dans le bras du Seigneur. Les mourir dans le Seigneur. Alors le s'il fait beau travail ou non, on témoigne, les mourir dans le Seigneur. Papa intéressé, moi mourir dans le travail du Seigneur. Mais ça ne va pas dépendre de moi. Il dépend de mon Dieu. C'est là que moi, je me constate de mourir dans les bras du Seigneur. Les mourir dans les travail du Seigneur. Les mourir dans la soumission avec le Seigneur. Parce qu'au monde qui a marché avec le Seigneur, il mourir dans la soumission. Et mourir en bonne santé spirituelle. Parce qu'elle mourit dans la communion avec mon Dieu. Il mourit dans relation avec mon Dieu. Il a tel enseignement, mais mon accompagné qui traînait derrière lui, qui a témoigné pour lui, parce qu'il mourit dans la compagnie du Seigneur. Matin, toi, Seigneur, moi, tu as même, nous ensemble avec moi, on mourit dans les Seigneurs. Mourir dans le travail du Seigneur. Que les Seigneurs vous bénissent, que les Seigneurs encouragent nous, encouragent les familles. Et nous connaissons une petite sue, moi-même, je me dis, papa, je me dis, je connais mon appui, mon papa, le prix pour la mort, pour nous appeler. Donc, c'est ça que fait nous chanter ensemble, 8 sections créoles, chant d'espérance. Donc, 8 sections créoles, chant d'espérance, c'est ça? Vous savez, c'est une expérience. Jésus, c'est l'unique espérance. Et lui, c'est qui va c'est lui, c'est soutien, lui, c'est force. Salam, Allah,
demandé pour la cérémonie. On a demandé parce que la porte n'a pas prié. Parce que la porte n'a pas prié. Et bien après, on a pu se voir. On a des bénédictions avec toutes les remarques et familles. On va le faire. Après, parce que la porte n'a pas prié. Et puis après, on a des remerciements. Tout le monde qui est venu assister. Tout est sympathique avec la famille. Et puis, il n'y a pas été déconseillé. Dieu Alpha et Omega, immortel et visible. Seigneur, le baguette, mon nom, ma expression. Nous remercions, tu fais compte de la opportunité. Nous avons un village au Tignan pour nous assister avec. Puis de rail, pasteur, son niveau cinéma. Crois-tu, mes seigneurs, que la mort a des leaders, mais a mis le contraire. Nous, Seigneur, nous pouvons dire merci. Nous remercions parce que nous là. Remercions parce que encore Seigneur, nous encore là. Maintenant, Seigneur, va consoler famille qui a deuil. Famille ça, Seigneur, qui a prié. Famille ça, Seigneur, qui est consolé. Maintenant, merci. Va consoler. Parce que Paul a dit, vous devenez un jour. Vous devenez un jour. Pour aller. Maintenant, merci. On va assister, famille. On va assister, nous, Seigneur. Thank you.
Le téléphone n'est pas bon. Alors,
parler. On a tout là, tout à fait, tout à Oh, sorry. Merci à nous tous qui étaient connectés dans le Sahara, qui t'a assisté funérailles, Pasteur Soli, Rosemé. Voilà, et Kounala, et mise en terre là pour le fait exactement à Miragouane, du côté de Miragouane, mais t'assembler pour la Gouna Vapombaronne. Et quant à nous-mêmes, Napmado, toujours connecté avec nous, c'est Jésus vers Dieu, et branché. Merci encore, merci, nous sommes capables de suivre ça, parce que nous ne sommes pas capables de suivre ça, c'est l'âme de besoin de nous. Merci à toute famille, condoléances encore à toute famille, hein? Moi, c'est parti, moi, à toute famille Rosemea, qui est affectée par Deïssa. Merci, que bon Dieu bénisse nous, toujours essayer de connecter.